par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Bonjour et bienvenue na GCAM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, et Sengolangaï, Samba Olonga Koué Babino, ébélé à travers la République démocratique du Congo, na Bolandi, Basangona Bino, ya ba éclairé à travers émission Debout Congolais. En tout cas, na souhaité Bino les bienvenus na Katia, émission Oyo, partout, Bozali ko s'est retrouvé à travers le monde. Merci na fidélité na Bino, merci na confiance. Lokola na mumesano pona Bolandi Basangona Biso. Toko bosana te ke justice ya Nzambe irataka moto te. Justice ya Nzambe moto mokote Aisha paka na contrôle nango ba parole e kotaka émission o ezali pona ko rappeler ba comme des mortels que monso to salaka na se amoyi ezana lifuta na yango soko za ko sala mabe yeba ngo ke tôt ou tard ou finir par ko zoape mabe en retour. Si ce n'est pas sur cette terre, sache-le bien que même dans l'au-delà, tu finiras par payer les prix de tes actes. Lona kaka malamu, salaka kaka malamu po malamu. Même sur terre, ceux qui ont foutamité, même dans l'au-delà, tu finiras par être récompensé. Je retourne dans l'actualité, c'est-à-dire ce qui m'amène devant vous. Yaya Mwesengeli tuwe bakwe pona Moïse Katumbi na parti ensemble na ye. Il n'y aura pas de boycott à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre la voix du peuple et dans les schémas institutionnels et en dehors des institutions, dans la rue, dans les marches pacifiques, par toutes les actions qui nous permettront de recouvrer notre liberté. Signé Olivier Kamita, tout porte-parole de Moïse Katumbi. Donc là, nous devons savoir que ba député boyokaki ba tangi tope ba publier na seni o bazali ensemble ya Katumbi ba kosala na bango politique à chaise vide te bango ba kokota bien les bien na assemblée nationale. Question ba to bazali komitu nezali c'est cette façon là ya ko accepter ba résultat nyonso ou bien ezali kaka uniquement kobo ya politique ya chaise vide. Qu'est-ce qui va venir après décision oyo? Tu remets un peu que Manuel Penda pour réfléchir na yango poto zo bien na katia émission Oyo. Actualité toujours dominée par les élections ou la publication des résultats des législatives nationales en République démocratique du Congo. En tout cas pour na Jean-Tini Ngobila, après un entretien avec le président Félix Tshisekedi, il s'est dit confiant qu'il va récupérer son mandat de député à la Cour constitutionnelle. Ba ennemi Oyo, ba lingi SACP tenango bila Jantini. En tout cas, ba e bango ke ya azali n'assurance pe azali koze la ke faveur, ma kamwe koza la malamu favorable pour na ye, après recours na ye na Cour constitutionnelle. Toujours chapitre élection, esengel petwe ba ke ba contestation ezali kokoma de plus en plus nombreux. Pour ceux qui ont perdu la députation nationale, Batmoussou Bazali, jusque-là, prêté, il y a quoi accepter, le résultat tel que publié par la CENI, quelques membres du MLC dans la rue, voire même certains membres de l'UDPSP, Bazali na balabala. En tout cas, personne n'a le courage d'amener les Congolais dans la civilisation démocratique. Nous allons en parler dans notre émission. Parlons maintenant chapitre Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, les frappes des drones militaires de l'armée congolaise ont vraiment détruit une base des RDF, base M23 à Kichanga. C'est ce qui rapporte les éléments fardissés sur place. Et puis, en même temps, la destruction de cette base, les Oazalendo ont aussi profité vraiment de cette frappe aérienne pour percer jusqu'au centre de Karouba, où le combat sont concentrés en vue de reprendre le contrôle des Mouchaki. Et toujours parlant de ces chapitres-là, on signale aussi que l'armée rwandaise, les terroristes M23 ont déporté la population de 9 villages comme bouclier humain, c'est-à-dire Bazako Kendena Bango, pour éviter la frappe, il y a un drone topé, la frappe sur le plan aérien pour faire des sacs au côté vu que Bazali entouré na ba population civile. On annonce aussi une annonce de l'armée congolaise qui annonce que
Le début des opérations conjointes avec la SADC vont commencer, c'est pour bientôt, en tout cas, Bitumba et Kobanda Solo, armée congolaise à Kozala Susuye Mokote, s'est accompagné de l'armée sud-africaine dans les camps de la SADC, de Bitumba Wana et Kobundama. De Kolobelango, Nakati, ya émission Nabiso, ya Mokolo, ya Lelo. Commémoration, ya Liwa, ya Musée Laurent Désiré Kabila, mort au front. Ma qualité na ya président de la République, il a été assassiné au Palais de Marbre. C'est ce 16 janvier que journée où ils ont choisi comme journée moko férié, pas choisi mais journée moko déclarée férié en mémoire il y a soldat du peuple ndenge babenga kayé Musée Laurent Désiré Kabila. Que pensent les Congolais? En tout cas, analyse à Samba Olonga ezali pe très important na quatrième émission Oyopo na komeka ko raviver mémoire na biso toyeba. Souvenir nini ya malamu te koyi ko retenir na Musée Laurent Désiré Kabila pe nini oyo penda ezalaki mabe po na biso na ko kanisaka musée tomonaka mabe nini oyo etikali tilelo to ko linga lisusu te ke ekoma na République démocratique du Congo. Voilà tout pour les sommaires na pesibino encore une fois de plus boye malamu na kati ya émission Debout Congolais. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, en tout cas, je vous prie de le faire, c'est-à-dire vous abonner et pour ne jamais manquer notre actualité, likez, partagez, laissez-nous un commentaire aux Ali fans, il y a émission Oyo, au Sepelaka, émission Oyo. À partir, il y a République démocratique du Congo, na province Nini, Topé, Libanda, il y a Congo, na ville Nini, il y a pays Nini. Wazalendo na motema fardese na motema tokotika la jamais ko abandonner ekolo c'est la patrie ou la mort. Voilà, je retourne dans l'actualité comme je venais de vous l'annoncer na Katia Sommer na biso. En tout cas, ba élection ezali ko continuer ko ça la sensation na République démocratique du Congo vu que ba résultat ezali toujours pas accepté par tout le monde, outre l'élection présidentielle qui a vu Félix Tshisekedi largement vainqueur, les élections législatives posent un léger problème à un certain niveau que les alliés acteurs Oyo va se retrouver par rapport à la publication de Nika Dimasali, c'est-à-dire Moussala Oyoseni Asali. Jusque la compréhension à Makambo et Talisei, ils ont posé problème. Ça, nous revenons après. Mais le résali important à Wakota, c'est que pour partir ensemble, il y a Moïse Katumbi, il n'y aura pas de boycott. Partir ensemble, il y a Moïse Katumbi et tous ceux qui se disent opposants, Bazali Kosenga, annulation, il y a élection présidentielle, annulation, il y a toutes les élections organisées, Bazali Kosenga, que annuler, il y a un peu et Salima qui m'a la montée. Participer ensemble, il y a Moïse Katumbi. Oyo, pour na bango, ba yebi que c'est Moïse Katumbi qui a gagné les élections. Bazali pe, na kati ya ba législative, na publication, oui, salami, en tout cas, état-major, il y a Moïse Katumbi, ezali na batou, na ye proche, oyo, ba participa ki na élection présidentielle, na ye, ba tambola ki na ye, le rôle à Matata Ponyo. Lui, il n'est pas de l'ensemble, il a son parti politique, il y a les Christian Mwado qui est avec lui, et puis d'autres députés ensemble, oh, quand même, va réussir qu'on a élu. Pour na bango, selon Olivier Kamitatu, biso to kanisaye qui en tout cas, barobo ya na bango. Le rôle à Esalamaki, na époque 2011, na Etienne Tshisekedi, a boya ki que, ba député na ye, vu que to zali ko reconnaître te, ba résultat na présidence de la République que nyonso et salami malamu te en tout cas na kosenga na bino te bokende ko siéger te na parlement wana ya ba usurpateur bato bazali ko utiliser pouvoir oyo ezali ya bango te. En tout cas, nous devons savoir que ba ndeko na biso ya ba UDPS na tan wana ba souleva ki pe oyo ezalaki objection na bango balobi. En tout cas, nous sommes votés. Ba tunde ba tinda ki biso ba électeur na biso, nous ne pouvons pas boycotter tout le mot d'ordre wana. Ils ont tous siégé à l'Assemblée nationale
c'est-à-dire ba accepta ki ba tika UDPS pour na Olanda selon bango ezala ki voir ba lecteur na bango. Les gens se posaient cette question, savoir est-ce que bande ko ensemble Katumbi, ensemble ya Katumbi, ensemble pour la République bazali penza pe na makasi wana bango pe ba boycotter ba boya ba lubaki ba ko CGT, bien que le nombre de leurs députés est insignifiant pour mener une opposition significative na kati ya Assemblée nationale. Est-ce que bakozala basala combat libanda ba lo balangage moko na président national na bango to bako participer awa omunité Olivier Kamitatu asili kotalisa que ezali faisable été pour na bango bango bako siéger pour ba défendre voix ya peuple. Ils étaient élus par le peuple, ils doivent siéger au parlement pour défendre ce peuple là. En tout cas, un argument qui tient sa place, en tout cas pour politique à chaise vide, biso ba oyo tozala ki tondima ki idéologie a Étienne Tshisekedi to tambola ginaye to ebi ke politique à chaise vide et nyokoli makasi et sali ete ba débouchage salema mingi na opposition ya Étienne Tshisekedi, parce que chaque fois qu'il y avait des gens, des personnes meilleures, tellement que au bouni 5 ans, 10 ans, 15 ans, ozokoka kozwe bongate nzala pe ya opposition ya tour wana po soko ndimi ko sta la opposition na Étienne Tshisekedi ndima mpiaka ndima chômage. Donc il faut zala na source moko boye ozula rambongo po o survivre, parce que nyonso ba ko pimela yango, il faut vivre lokola marginalisé ou bien existence na yo ezala marginal. En tout cas, politique à chaise vide, si l'UDPS Tshisekedi a y amené cette politique-là, en tout cas, ils allaient souhaitable été dans le parti politique Moussoussou. Est-ce que, si ce mot d'ordre-là était lancé, que ma député et ensemble pour la République, bon sujet, il y a tout ça, en tout cas, il limité, qu'il n'y a que salement. C'était vraiment bien calculé. Je me suis dit que la mentalité, il y a des acteurs politiques congolais, ils allaient difficile. Moïse Katumbi a eu sa bande de wana ke bo siéger te pe ba yo kaye. En tout cas, c'est un bon calcul des commerçants aussi. Mieux vaut pas kende ko siéger pour surtout pe kisi bango ba ko kende kaka. Donc, bande de biso wana 18, ceux qui tosangisi pe ba ko sala 21 na regroupement moko ezalié na bango. Total nyonso ya bato bazali ko se komibenga opposition, c'est dans les 28. En tout cas, bango balobi pour na bango bako siéger pour défendre ba circonscription na bango tokota la toyeba soki ezali nini. Mais cet argument là ne tient pas lorsqu'on sait que bato bazali ko reconnaître té ba élection de manière générale. Bato bayebi ke ba élection oyo et salami bien té, est-ce que bako ngi ko siéger? Il faut tous en opé na angle mususu. Toute la communauté internationale reconnaît Félix Tshisekedi comme vainqueur à l'élection présidentielle de 2023. C'est-à-dire, naba pays oyo Moïse Katumbi akendaye ko sala bazye dou. Bango nyonso balobi c'est Félix Tshisekedi qui a gagné, nous te félicitons. Lobbying oyo isalimaki na États-Unis. En tout cas, ceux qui sont américains, ce n'est pas tous les Américains, mais les Américains qui ont bouffé l'argent de Katumbi, il y a quelque chose pour que les États-Unis puissent faire quelque chose et allant dans le sens de bousculer Félix Tshisekedi qui est l'élection et salamité. En tout cas, lobbying, il y a Moïse Katumbi et salimaki aux États-Unis, on a envie de ces sénateurs élever la voix pour dire que, en tout cas, l'élection est salami dans ma condition, il y a bien été. Si ça continue comme ça, États-Unis a qu'on reconnaître et moté. Ça n'a pas été la position des États-Unis, mais la position de quelques acteurs politiques américains, Oyo, Bazala, qui touchaient la démarche à lobbying engagée par Moïse Katumbi. Dans l'ensemble, l'opposition congolaise, Azali n'a soutien té sur le plan extérieur et qu'il peut permettre que l'initiative au Bango Balansa qui a coloba que Félix Tshisekedi n'a pas été élu les élections et banda ils en acquérèrent té libanda yamboka, parce que même si ba ennemi à Congo Bazali, mais vérité au Azali indiscutable
Les irrégularités, c'est comme partout. En Afrique, les gens n'ont jamais accepté les élections à 100%. Les gens qui ont un bateau, donc, comment le rôle de la culture, il y a contestation en quelque sorte. Donc, à ce niveau-là, nos frères qui voient que les élections ne se sont pas bien déroulées, il y a 0,001%. Il y a 1%. Il y a 1%. Il y a pour qu'on va se retrouver. En tout cas, on peut dire clairement que appui il y a communauté internationale mobimba n'aventure na bango ezali zéro. Sur le plan interne, na ba électeurs ba votaki Félix Tshisekedi, na ba oyo ba votaki ba tumususu. On sent que à 98% les Congolais ne sont pas prêts à accepter cette aventure là, parce que même il y a même certaines personnes qui ont voté Moïse Katumbi mais qui ne sont pas prêts à aller dans ce sens là que bah, et à l'élection, il faut les annuler, de remener ma marche. Dans le bac, il y a une émission ébélé, le cas qui a peut-être 2 semaines passées, dans le Belagiango. Moïse Katumbi a été déjà averti par les Américains. Ce qui, bah, ça, la théâtre, na bango, à la nanga. Il faut bah, que pour les États-Unis d'Amérique, le chapitre Tshisekedi n'est pas encore bouclé. Il n'y a pas ici chemin oyoyo bango bakoko sala na Katumbi ou soi-disant un autre Congolais bazana nzela bakomemela yete. Basi babendaki bango matoyi. Ba chancellerie occidentale eza awa bayebisa ki bakatumbi ke possibilité eza te na niveau makambo esalami ba apporter bango soutien na démarche balingi basala. Va suivre ma voie légale. Ils ont parlé de manière diplomatique sur le plan officiel. En tout cas, tozali ko senga na bino bolanda ma procédure ndenge senga meli ko landisa mbe ko mboka na bino. Donc soutenez la paix, c'est comme ça qu'ils ont dit. Mais en katimini, si Moïse Katumbi ose au sala erreur a ozala bemba il y a 2007-2006. Jean-Pierre Bemba savait bien la politique ndenge basale la kiango. Na ndenge bayela ki na 1 plus 4 na bango, il savait bien que Mindele candidat na bango na poche, c'était Joseph Kabila. Mais tant que le peuple congolais a porté choix likolo na ye bien que le contexte est différent, il était obligé d'aller retourner à kende ko sala lobby pour bape sande ye confiance ya kambamboka. Batouana basala kamakamu ndenge wana te, on connaît la suite. Ya kubousculer makambo de manière brutale. Il a beaucoup appris vraiment na ndenge politique et enseignant qui est. Ake kole kisabane belé na prison. Donc, ezala ki pe quelque part pression populaire, batou ba vota ki ye, ba poussa ki ye pe na san chou na ye. Au moins, il était averti. Mais le contexte de Katumbi est différent, il n'est pas le vainqueur des élections. Aventure alinga sala même Bamindele bazana mauvaise foi na bango mais na makambo modelo yo ba soutenir ka batute. Donc nous pouvons ici conclure que pour les partis ensemble à Katumbi, il y a une manière cachée il y a ko accepter déjà makambo. Nous avons besoin de bouger, à sentir qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien à prendre ici, tout sauf un compromis. Il y a déjà que ça n'ira pas par voie des élections. Félix Tshisekedi, c'est Kabila normalement qui est en brousse, ce n'est pas Nanga dont on parle, et c'est Kagame aussi là-bas. À mon avis, il faut tout rejoindre quand il y a un ennemi à Congo parce que, à l'interne, avec la culture démocratique, avec les contextes démocratiques, c'est difficile pour les Congolais de faire confiance au Congolais qui s'est dit, mais surtout que les Congolais ont une voie légale. Mieux vaut tout le cas à Libye, les Congolais ont une voie légale. Moïse Katumbi, seule brèche où il était allé, il a officiellement positionné parce qu'il est allié à Nanga en quelque sorte. Aventure et Memi Salomon Kalonda na prison. Oyo ezako sala ka samba ezali mekonu te na Moïse Katumbi. Il connaît cette aventure là, il est de mèche avec Paul Kagame qui est l'ennemi des Congolais. Donc à ce stade ici de manière officielle, les
ensemble ya Moïse Katumbi ezali kobima libanda donc de manière simple bazali ko tika déjà aventure bango babandaki. Donc quand tu as bien les observer parce que ce n'est pas maintenant qu'ils vont laisser, il faut bien serrer les mesures parce que la seule brèche où est ouverte pour na bango c'est l'insécurité. Ils allaient côté oyo bango ba kota la makasi parce que moyen au bango ba ko tia ti c'est que du choc, c'est soit les tuer, soit créer l'insécurité au pays pour parvenir à un dialogue. Et là encore c'est pas facile. Tu veux ça qui ndeko nanga ke ils a facilité rébellion alléluia ils ont dégagé mon époque à 1+4 t ils ont dégagé mon époque à Joseph Kabila t aujourd'hui ils ont difficile ok ne au milieu des rebelles ok ne correction des terroristes oya au bénéficier la même procédure la même statut bah aventure les gars là bas ça nécessite de reconnaître bah rébellion et puis s'en suivre c'est DPM 23 aujourd'hui avec tu sais que 17 possibilités là vraiment c'est presque impossible que vous ayez possibilité à l'olengewan. Donc, de manière générale, pour terminer ces points, Ensemble pour la République reconnaît de manière abstraite Oyo Ezali échec na bango. Ils doivent être dans les institutions pour ne pas tout perdre. Bango au moins Bazamayele va comprendre quand même que erreur Oyo Bakabili c'est Basali parce que osa enterré pour du bon. Processus mieux vaut la soutien au peuple congolais. Les Congolais ne sont pas dans cette aventure. Il n'y a même pas 1% des Congolais qui pensent l'annulation des élections, qui pensent que il faut aller kozwa ba to perdre ou ba boyaki ba to FCC à Kabila ou ba boyaki élection pour la koyoka na bango. Ça ne se fera pas de la même manière qu'ils ont dit à Étienne Tshisekedi na 2006 ou bien na moment ya Basani Sudi. Les trains a démarré, ouya koko landangomba ngute si les trains kozonga les susuté. Heureusement que Tshisekedi ce qu'il dit était coriace dans sa politique. Batikiye bakeyi basali Pretoria 1, basali Sun City 1, waya tatawana zongisa bango na mesa jusqu'à ce qu'il y a eu accord global inclusif où Tshisekedi ce qu'il dit était là. Ndesi ma peuple congolais andimike eloko esalamaki kuna. Mais force wana lelo na opposition lelo, est-ce que ça possible que ba opposant wana oyo baza ko mbenga ba opposant ba faire revenir peuple congolais na Félix Tshisekedi na voix aussi tokei? C'est presque impossible. Il n'y a pas de marche arrière. Cette minorité ridicule qui veut que le pays recule parce que bango baza ko se retrouver de manière démocratique na kati ya institution n'a pas le soutien du peuple congolais ni de la communauté internationale. Ils ont par contre le soutien des mafieux internationaux qui sont ennemis du Congo, au Balin que Congo est demeuré dans le pillage. Ces hommes d'affaires-là, qui sont dans un conglomérat d'aventuriers, qui veulent créer d'autres rébellions, voilà Batu Oyoyo, Bakoko Zara, pour soutenir ces groupes-là d'aventuriers dont Nanga et Joseph Kabila font partie, j'allais dire. Tokoti awa na likambo ezali toujours kota la élection wana toyeba pe ke Jean-Tini Ngobila na sepeli bolanda enano l'espoir fait vivre to la nana no posima tozo. Voilà. Balobaga, l'espoir fait vivre. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Même lion à Koufa, à la servir, n'a eu le côté. Même Boaza n'a pas mouillé. Azali n'a pas mouillé quand même. Il a le souffle. Ça dit l'espoir et ça va faire vivre. Ngobila, tu éviter les gars qui par téléphone, ou bien à Koutana qui n'a président, n'a couloir, ma pécier passe à l'obi, n'a boulandier. En tout cas, le président l'a rassuré que Kende n'a cour constitutionnelle.
na cour constitutionnelle de rozoa gain de cause te c'est que dans un ordre à copesa na cour constitutionnelle te na cour constitutionnelle yonde o kende ko se défendre valablement si réellement ozali innocent comme présomption innocence ozali OK ozala rétabli na ba droit na yo mais dans un premier temps entre temps o biso toza ko mona tant toza ko tala var tebi ke ezana ngo mérité Jantini Ngobila plaire ya bakinwa batu belé bazalaki ko décrier gestion moko chaotique ya ville ya Kinshasa bazu quand même souffle batu bazota la Kinshasa d'où viendra l'espoir qui est ce congolais là rare ce kinwa là rare qui peut relever la pente ndeko moko akomeli ngai na WhatsApp alobi toke ndeko zo fifi masuka na lwala ba toyani na Kinshasa ou bien to sala nini po Kinshasa pe za carrefour ba culture za kanango ya batu te n'importe quelle tribu eko koma nango me bana pul malebo bakangama nango eko ma ndire loko na bango koma nango kaka ekendaka pe kote mususu te banda be poka ba kabila eza ko tourner kaka autour kaka ya ba Congo le Congo central bandundu et puis Kinshasa eza ko tourner kaka wana non Kinshasa eza carrefour culturel. Il faut aussi essayer autrement. Tout ça, on a profil et on peut s'arrêter. Bah, on va compter à l'osambo, il faut qu'on compte à l'osambo. Médiocrité, ça m'a cassé dans la gestion en ville à Kinshasa, à tel point que, il faut qu'il noie, cette fois-ci, abeta karana sap, abeta karana biloko, oh, et ça, la rassou, qui n'est ni tout s'impliquer dans la gestion en ville à Kinshasa. Donc, pour Ngobila, bah, ennemi. Ouais, c'est pas seulement Ngobila. Tu veux qu'il peut qu'auto, yo, ndego ibalan qui, y peut, na tribune na ye ye pa lobby ba ennemi na ye ba linga kitege yabima député tout le monde a des ennemis Claude Balanki que je salue beaucoup en tout cas moni kaza pe proche à président de la république lui aussi crie qu'il y a des ennemis c'est que notre directeur de cabinet Guilain Nyembo directeur de cabinet à président de la république ye pe ba ennemi ya na ye mutu basali que azala musika tope Jacquemain Shabani. Est-ce que Zali na ba ennemi na ye de basali ke ba écarté ye tozo ye balisus ko se retrouver te difficile d'accepter la défaite en tout cas ba te belé oyo ba perdre une élection oyo baza ko mimona kaka ba vainqueur na gagnaki na zwaki mais c'est l'argument Zali que pour te quoi éviter biloko oyo il faut sei oyo to meka ko pesa ngo mu Congo parce que Zali vraiment ko ou créer des ordres mingezo peut ça va problème ebele surtout que population congolaise azalaka na ye vraiment na politique tout peut culture et information ou eza malamu te tout vivra na ba spéculation tout ça pour vivre na ba rumeur ou ta Zaïre ya Mobutu nous vivons de la rumeur ozala informé ozala sous informé ozala mal informé au ministre déjà savant na moment tout ça loba on instrumentalise des jeunes gens pour rien. Botumba ba pneu bobima na balabala bakende na cour constitutionnelle. Kunande on a ces atouts là, on a les moyens d'état oyé ko permettre que balande la likambo na likambo. Eza ba résultat définitif ezati na mars. Définitif ezati na mars. Donc ils ont le temps d'aller introduire les recours. Na ori pe ba musu pe ba kokota introduire ba recours mais c'est ça. L'élégance politique veut que les candidats au bazar la probité morale, bondimi qui est toujours qui nous représente peuple congolais, faut poser en élégance ou en ayaro pour respecter pe ba principe à démocratie. Mais au côté de Kobimi Sabajen na balabala, tant au bazar comme appel belé bazar au tout moba pne. Parce que ça, il faut toucher mango kadimate, kadimé ko sala et logo mogote, il a déjà fait son travail. C'est maintenant à la cour constitutionnelle. Kuna, le jugement dernier, poule de mort. Kuna, ils ont la mort subite. Tant que ils ont na football. C'est-à-dire, bokeh na prolongation, ce qui kaka ba tche binobi, matche sili. Mort subite, et bouma ba tubele, yango toza nangwa na cour constitutionnelle. Après, les recours à la cour constitutionnelle, arrêt à cour constitutionnelle, ils ont la lissou na débat à té. Donc, Jantini Ngobila na ACP na ye, pour na bao bazo sentir que bazari lese. Bako tape ma bonde li, biso toza na problème na moutoute, ils sont jusque là présumés innocents. Baza ou non sans,
la Sami Jamal na procès à 100 jours. Bah, on doit introduire bah recours na bango. Chapitre yo toza ko kota sika awa ezali chapitre ya ba drone ezako sala musala kitoko. Soki sala musala kitoko, il faut to loba yango. Tongo alelo ezalaki ya makambo elamukelaki bana ya bato ya ba Rwanda. Lokola balingo yokate ba s'installaki kitoko na kichanga. Drone pe yibi bango mayele bazu information. En tout cas, ils ont eu un renfort. Parce que bazaki na besoin ki ba renforcer ba position na bango. Drone pe zeli bango ba kokisa matériel na bango penda ba vandi sa bibundeli na bango kitoko. Ba s'installer parce que ravitaillement ya ki lokola bayoki ke faire des sa ko se préparer pour na action moko d'envergure. Bango pe falaki matériel na bango ya ravitaillement ya uta Rwanda. Et ya ko se positionner na ba zone oyo bango bazali ko contrôler. Na tongo alelo batiki bango. Eza lokola yo yebike ndenge na zabwe ipe ya damocle ezali ko lwa mutu na nga no santete. Adversaire oyo yebi position na yete. Mutabata miyo alekio mayeli. Drone oza ko mona ngote. Eko bimela eko bete langa na gauche eko yela langa na droite oyebite. Mais batinda yo epa ya mutu oyo assassiné na ya kufaliwa ya Hitler yo kota na zamba. Balamuki na tongwa lelo na bibundeli na bango na bato. Na bazo bango ba installaki na kichanga. Ba kalingi bango na drone. Frappe wana pendeza frappe moko chirurgical ndenge ba bengaka. C'était très bon pour notre logistique na biso ya ya armée de l'air. Banyati bango c'est des morts, c'est l'armement perdu parce que musala na baza ko sala ngote kaka ba Rwanda bango moko, mais l'Uganda aussi est derrière le M23. Bano yo ndenge tomonaki la semaine passée bana oyo yo ba monaki ke ezo simba lesusu te tozo bunda bitumba, mais ba adversaire ba lingi suko mona na penda te par DC azali su vraiment mingi na ta mingi te ya ko perdre ba militaire na se bien que baza ko bunda ba wazalendo pe bazo sala musala na bango drone ezo sala musala nango. Le moment on frappe on ne connaît pas. Faut que yeba ke drone ezo moko te ezo deja 4 sur terrain. Au total, il y a 9 bibundeli mususu eza koya. Ba lamuki na tongo nde naza ko insista ngo ba kalingami penda malamu. Là c'est toi qui changa, c'est de mort. Bango bazalaka soki ba frapper bango bongo parce que ba rescaper pe bazalaka. Bazwaka direction Rwanda pona okende ko luka ba hopito. Ndenge tumisana ko mona to ebake matangi kozala lisusu kuna. Les morts moye batanga ngo lisusu na Rwanda ezati. C'est difficile de dire officiellement comment meurent les officiers rwandais et les militaires rwandais. Les jeunes rwandais qui se sacrifient au Congo bêtement. Baza okufa pour na cause patriotique topé pour na cause nini. Eza passe pour na bande ko na biso ba rwandais baza ba kadé ya makasi ya démocratie en Afrique centrale. Parce qu'à ce stade ici devait avoir déjà ba partout les gens devaient se révolter. Comment meurent nos jeunes gens alors que nous ne sommes pas en guerre? Qu'est-ce qui fait que bande qu'on a bu ce bazar au coup fatou ça qu'on y officiellement le Rwanda est en guerre avec qui? Bah wazalendo peut va profiter na ba frappe wana, ils ont réalisé une bonne percée jusqu'au centre de Karuba où les combats sont concentrés encore face na ba cible mususu ya ba M23. C'est un travail qui se fait dans les profondeurs. Là nous félicitons beaucoup notre armée pour la stratégie wana bana batu pe baza ko pe mamalamu, mais mieux vaut déjà prendre de bonnes dispositions parce que na même moment pe ba rwandais eza information moko toza ko zongo sous réserve ba pe si information na bango ba lobby ils ont capturé des militaires congolais oyo ba viola ki territoire na bango, ils ont tué un congolais. Na ba photo na bango, il n'y a qu'un seul Congolais, on ne peut pas le présenter ici. Ezas Congolais moko, oyo bango ba présenter na tenue militaire. Rien jusque là ne démontre que ezali solo de qu'on a vu ce Congolais. Tope ezali ndenge ba mesana ko sala parce qu'ils sont spécialistes dans les mensonges, dans les montages, dans la diversion.
Donc, pour biso peto mi pe sa partie non te tokangi to ba congolais. Ils sont capables même de pénétrer ndenge bazwaka wana ba capturer ba congolais ba lobino ba viola ki frontière na biso ba kota ki na Congo. Ah. L'important pour nous, c'est la nouvelle de ce matin, cet arsenal militaire là. Baya kanango ndenge wana bo beta ka drone frappe mon côté. Ba drone eza 3. Ça dire mati 3. Na même moment bisika misatu penda batu baleli matanga. Parce que c'est ce que les Rwandais fait. Ils multiplient de front, baza ko multiplier ba base. Na Rwanda, na école militaire na bango, Kivu, eza territoire na bango. Donc, ba yebi Kivu de A à Z. Ba koline nyonso wana bango ba etidia yango. Soko tali ba Rwandais baza ko sala tactique de guerre, c'est en fonction de leur formation. Bango mba wana ba maîtrisa ngo. C'est-à-dire, lokola munoko na bango, lokola fufuta moza ko lia ngo ko bosa na munoko ta ta mulili eza. Ndenge ba Rwandais bazali. Il a fallu attendre Félix Tshisekedi pona ko mona o toza ko mona lelo. Soki ba drone oyo e ko ko vanda na 9 frontières. Chaque frontière drone bon meki information ezwami ke na point tel banyati na kanisi ke tokoza la pe respecter. Toujours continuer na makambo etali ba information wana esengeli pe toye ba que armée congolaise ndenge bozomona ngona ba image wana l'armée congolaise annonce déjà le début des opérations conjointes avec la force de la SADC. Après élection à Félix Tshisekedi ba donne sur le plan régional ezali komona samandenge mususu. Félix Tshisekedi a mena un pouvoir sur le plan institutionnel renforcé. Il a combattu de manière boiteuse azaki lokola boité na premier mandat. Malgré toute sa force, son énergie, sa volonté politique, M. Félix Tshisekedi azalaki handicapé quelque part vu que élection na ye na 2018 kinoto koma na 2023, vraiment il a souffert. Passant par la coalition FCC Cash, où les ennemis du peuple congolais étaient dans les FCC. Naba Rwandais, Naba Congolais, Oyo, chef Nabango, Yabutu et Zalaka Kagame, moyen va permettre que Félix Tshisekedi amène Malamu guerre Rwandais à la quitter. Outre aussi les officiers, membres de l'AFDEL, officiers bakabilistes pour la plupart, va répondre à l'appel ya Kagame. Ce sont les agents du service de renseignement et Paul Kagame. Félix Tshisekedi a beaucoup souffert dans le premier mandat parce que marge à manœuvre institutionnelle est limitée. A Zanga qui pena batu oyo, idéologiquement, bazali ko partager même vision naye, bazala ki pena batu oyo bakoki ko représenter vision naye na babisika ebele. En termes de loi, c'était aussi difficile. Na ba député otozalaki na bango ba outi fraîchement na Kabila o bazalaki nomination résultat ya Kabila ba permettre que Tshisekedi amene ba réforme ya malamu et ko permettre que Congo ezwa force d'état et ko permettre biso to silisa aventure oyo baza ko benga ya Rwanda to pe complot international oyo. Les bons aménagements devaient se faire au niveau interne. Donc c'est maintenant là que grâce aussi à la diplomatie de Tshisekedi, SADC écoute. Oh, nyonso Tshisekedi azaye ko sala we bandeko ya kubima mabe. Ake ko luka nini, azaye ko sala nini. Awa, SADC ye, ba Rwandais baza ko lela. Il faut savoir que, makamusu ko loba mana preste, mais SADC, ezali résultat ya diplomatie, ya Félix Tshisekedi na président sud-africain. Faut te ba ke Kagame pe azo sala ya ye. Loko la, ba président ebele africain, bazana bango batu oyo vision eza mukuse panafricanisme eza te na action na bango bango batala ka ba intérêt o ezali ya bango ba intérêt ko komisa bango ba riche. Il y a certains présidents africains qui observent de loin ce qui se passe à l'est du Congo malgré l'appel de Félix Tshisekedi parce que pona bango etali bango te. Pour les autres, ils voient que le Congo doit demeurer instable et ils sont en paix bazako bénéficier nango. Yango zo mona Kagame pe azako continuer ko sala par naye. Tshisekedi a réussi à convaincre le président sud-africain pour s'impliquer davantage.
parce que même Sadek au Congo et Bengi au Félix Tshisekedi à Bengi va combattre biso sur le plan diplomatique. La France est dedans dans cette aventure là. Sans parler d'autres pays, au bazar kocha songi songi na ba président africain que va intervenir militairement à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre à l'est du Congo, c'est un complot international. Il y a en même temps que le Congo a sollicité aide à un pays tiers ou un pays voisin, ils ont un problème parce qu'il y a des implications. Le pays où il y a un multinational a bénéficié, il y a un autre pays a même aide militaire. Les pays de l'EAC, il y a un prêt, il y a un Kangisa Kagame. L'EAC en soi, il y a un prêt qui m'a dit. Mais c'est la guerre des intérêts. À l'EAC, le président de Kenya, Biseka Sekamoni, a ses intérêts pour lui. Et ça, c'est que va engager front, va bondir Kagame. Parce que lui et Kagame, ils partagent le même centre d'intérêt. Il y a une compliquée aventure. Il y a EAC pour EAC, et ça, improductif. L'EAC en soi, et ça, qui n'a agenda, et ça, qui bien connu, et ça, qui agenda, et ça, qui contesté. Mais tant que vous êtes sur le terrain, on a contourné cet agenda-là au profit des intérêts des multinationales et des présidents africains qui sont aussi impliqués à leur manière. Mais cette fois-ci, on parle de Sadek, mais c'est beaucoup plus l'implication sud-africaine. Le président sud-africain a une diplomatie cachée avec le président Félix Tshisekedi. C'est ce qui fait que Aza prêt à lobby que ce que Zosenga a déplacé l'arsenal militaire Yamakats. Na Congo, à l'est du Congo, pour te mettre fin en go, nous allons le faire. A Bengi armé na yebango, a yebishi armé na bango, que tozali prêt. Eza na front moko to fongoli si katoza ko s'engager, ezali na est ya République démocratique du Congo. Donc, il a aussi ses intérêts parce que diplomatiquement, ça a des implications. Aza na makambo oyo, to go lobate ouvertement. Na diplomatie, quand ça se négocie, il faut moutou pa mouna para kwanga na yeza wapi. L'investisseur sud-africain Bazali, Balou l'a rappelé, Bamina Congo, Ate, Awa, Salaboué, Salaboué. C'est comme ça que ça se négocie. Wana Isa, domaine réservé, na président de la République, Ndéni Abete, la Kamakamunaye. Yango Rwanda, Soki Botali, ba robot communicant ya Rwanda, ba faux compte ya ba Rwandais, Bazali, se plaindre mingi na implication ya ba sud-africain sur le terrain. Ba ebi que le sud-africain, Ndéni, ba yewana blague, Kozalate. Les Sud-Africains n'ont pas une porte ouverte pour Paul Kagame. Bazana ba contention na yebele aboma ba opposant na sol na bango, ils ont beaucoup de choses. Oyo bango bazana ngoko yo kanatena Kagame. S'il y a un endroit place oyo azako kokate okende komemela bango le sud discours, c'est en Afrique du Sud. Félix Tshisekedi est beaucoup en avance. Contrairement na ba pays mususu na Afrique centrale, ba pays mususu bazan voisin RDC, bazako kota na bozoba ya Kagame. Yango balobi lelo ndenge bomona ki bilili, ça va commencer avant que le mois de janvier se termine, ba offensive eza lancé makasi entre donc collaboration ezali donc ba opération conjointe ezali entre ba force wana ya Sadek principalement ya Afrique du Sud na armée congolaise na Rwanda déjà milelo ezali. Parce qu'il ne s'agira pas seulement de ça. Le Burundi est aussi impliqué dans le Makamu Congo et Zarosala. Donc, mon observateur, que ça peut dégénérer dans l'Afrique centrale, à l'est du Congo, le conflit peut prendre d'autres dimensions. Mieux vaut la solution diplomatique parce que ce qui Congo, Ndenge, Asengi, aide à Sadek et que l'Afrique du Sud, baza prêt à Kobunda Bitumba. Burundi peut déjà ça signé na ye à Kangina ba frontière na ye kutu. Donc Kenya peut na Uganda ba koki ko coaliser pour na ko soutenir Rwanda, mais ça n'aura pas de sens. Le Kenya akoya ko côté la Rwanda akobandira la front ngondenge nini akosaila ngondenge nini, même s'ils sont prêts à le faire. L'Uganda oui, baza très proche, ils le font déjà d'une certaine manière parce que Rwanda a renforcé ba terroriste ya M23. Donc, voilà pourquoi les Américains, Nandenge Bango Bazako Monela, Bazali Kolingate, que Congo a engagé front militaire. Mais Félix Tshisekedi, ce qui est le mandat, il y a tout sauf rien.
c'est le mandat où il n'y aura pas d'excuses. Donc, na momo yo tokoyo ka mutu te, boko te ya biso te, parce que nyon so yo, to pesi bino comme temps, po bo benda mwana na bino matoyi, bo retire poulet na bino bo zongi se nesika na ye, boko ki angote. Donc, tant qu'il n'y a pas de mesures diplomatiques, pacifiques, ou kagama ko yoka, Félix Tshisekedi s'est replié à observer ce c'est le fait, Kagame a zui nanga, bake ko sala lisusu, koalisyon pour empêcher que ba militaire na ye ba bimana sol kongolete. Donc, Félix Tshisekedi mongo déjà le bac, nous aurons bien compris ça, c'est-à-dire que Makambo, Ezali, Ebele, et que na phase auto komi, c'est la guerre. Peu importe ce qui va arriver, mais nous, Congolais, nous savons qu'il ne s'agit pas de Nanga, il ne s'agit pas de Yao Soki, Fleuve Congo, tout ce qu'ils vont faire. Bazoko Luka Fleuve Congo, on a pour cacher l'influence de Kagame. Obaki misa kombo ya M23, mais nanga a quoi comme argument pour baki ne reconnaître yé ki aza rébellion. Ya mon Félix Tshisekedi a traité qui est des comédiens. Le Congo d'aujourd'hui n'a pas de temps pour négocier avec un mouvement terroriste ou rebelle. Oui, ils ont bon après frère congolais pour la koloba ki tout to négocier to kota na politique. Brèche wana za les sous-souté. Bateau, bazar, ça l'aventure, oh, tout ça, rejoindre Nanga, bah, il dit que, ils ne seront pas sur le sol congolais. Parce que, namunilo, là, là, qui pongi, au soutouka, osa déjà Nanga, Mukuna, c'est dans l'au-delà. Émission, yamukola, lelo, est commis presque, nasuka, mais, tokobo, sanate, kolobela, lelo, tozali, le 16 janvier, ezali, mokolo, oyo, Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, a Koufaka, assassiné, na palais de marbre, na bureau, na ye. Qu'est-ce que nous devons retenir de Musée Laurent Désiré Kabila? En tout cas, bah, pensée pieuse, ezali pona Musée Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, bah, tu vas bien, moutati, kotak, bitumba kuneza, kubunda, mana, Brazzaville, massache, kweya, ou va bombe, kweya, ou va pas, bah, répliquer, à l'obina, pour rendre Rwanda plus cher. Et on sait ce qu'on retient de plus meilleur, mais jamais trahir les Congo. C'est-à-dire, wana et Kolongwa Kate, et comment paix devise armée na biso, ne jamais trahir les Congo, même si la plupart de ceux qui disent ne jamais trahir les Congo, bangonde bazako trahir Congo makasi. Ceux qui nous ont montré officiellement que bangonde moutou bazali, héritier, y a idéologie à mouze, ne ba traître ou babomi mboka Congo. Je ne peux pas beaucoup développer les idées là-dessus. Nous savons tous ce que ceux qui se disent fils de Mosé, idéologiquement ou biologiquement, ont fait du Congo. Ils allaient pas si pour Nakolobela Yango. Ils allaient honorer mémoire. Il y a Mosé Laurent Désiré Kabila de manière positive. En dehors de ne jamais trahir le Congo, nous savons que Mosé, d'une certaine manière, a trahi le Congo parce que il avait accepté de légitimer un complot international contre le Congo. Bah, tout ce que les gens qui ont été en train de se Laurent Désiré Kabila. Guerre, tu as dit est ya Congo, pour les kota awa na Congo, il a fallu que les Congolais, ba kindeko, ko kota na likambo wana, po ba koti sa bapaya awa. Côté aventure et bandaka, c'était un complot lointain. Outa mubuto zaye ko kambamboka. Mais il faut avoir des Congolais, oyo ba ko accepter, loko yo poto kindeko tchango, ko vende sango na Congo. Empire ma touti yo bazali na besoin ko bâtir pour ba touti bazo a contrôle l'Afrique centrale ba ko kisayango. C'est Laurent Désiré Kabila nous allons retenir yende muto ko tsela kabiso ba Rwanda awa et les autres tango ba ye awa a ko kite ko yokana na bango. Il n'a pas eu l'intuition ya ko yoka bande ko na ye lokola ba Etienne Tshisekedi o bazana même ancêtre lokola ye parce que tous luba bana ancêtre commun moko ilunga mbidi alobi yo vanda na opposition na yo landa mubutu kuna na koyoka yote balobi ozano taji na barwande wana umimi awa futa bango senga bango facture de guerre bakendi aboyi koyoka tango ayo kufungwa mamiso a comprendre que je suis dans otage c'était trop tard. Lui pensait que venant ici au Congo il va déjouer les plans. Il va tout faire pour Oyo Bayo Kanaki et s'appliquer.
il ne sera pas malin plus que les complots internationaux. C'est ces complots-là internationaux qui l'ont englouti. Parce que tous les pays impliqués dans cette aventure, Bakouma qui adversaire, opposé à la politique de Laurent Désiré Kabila, ils soutenaient le Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, il y a beaucoup de gens qui voient toujours que le Rwanda a raison. Des multinationales, des organisations internationales. Pourquoi? Parce que il avait accepté de prendre ces gens-là, les amener ici au Congo. Babima teti le loba mususu ba doba katosa ba congolais. Balinko bima libanda ba institution te balinko bima libanda ya armée te ekoma singa na kingo. Voilà les souvenirs que nous gardons aussi de Moïse Laurent Désiré Kabila. Chez nous dans la culture bantou on dit que baloba kamabe a moué ite, mais nous parlons de l'histoire de notre pays qui doit être mieux connue. On a zaro bête zaga ba bribe tangaka mikanda c'est documenté malame au monde que Moïse na bangandu lisa c'est ce qui ça c'est ba komba on peut zaro varier mingi bango nde mutu ba fumole la biso fond porte oyo oyo kotisa bato na mboko poto za la déstabiliser na point auto komi. Mais pourtant on ne s'empêchera pas ya ko zala na souvenir ya malame pour na Moïse Laurent Désiré Kabila. Nous retiendrons toujours que ne jamais trahir le Congo. Et ça nous sert aussi de leçon que vous ne vous avez pas été pour y avoir bande de dans le. Il y a toujours un moyen pour que les problèmes entre les fils d'un même père, bato bazali na libota moko, va trouver ma solution à bango bango moko. Donc aujourd'hui Mouzé n'est plus là, mais Bitumba ezali ko continuer pour la libération ya Congo. Tozali ko luka ndenge nini to mettre fin libela na hégémonie rwandaise oyo, agression rwandaise oyo eza ko sila lisusu te. Donc bato oyo bayaki na FDL bayeba que bazala pe na souci ya Congo, parce que nous devons enterrer la FDL. La FDL ne nous a jamais quitté. La FDL a même na constitution toujours continuer ko sali la lelo. Ma trace à FDL Ezali, il y a triste, trop triste dans la mémoire. Joseph Kabila qui est venu à la fin. Ne penda yé ko kokisa FDL en Gomala. Nous avons tout perdu de notre pays. Tout ce qui est citoyen, il va occuper ma belle mon boulot. Et tout ce qui est là, il y a un peu de bima. Congo est su à binote basibatekia. Voilà tout ce qu'on peut dire de Moïse Laurent Désiré Kabila, en bien ou en mal. A ce peu qu'on synthétise, oyo ezali important. Tout bête la paix banana biso ya mike, ba yeba, ni ne le kaki na Congo, pour tous à la désormais prudent, tous à la souba citoyen vulnérable été. Bête la banana ya mike, histoire oyo, tout réformer éducation nationale na biso, patriotisme na biso ezala aiguisé, tous à la bas citoyen moko bazali prêt ya ko défendre mboka Congo, na niveau nyon so biso to koye kozala. Merci Nabino Batubolanda qui émission Oyo de partout à travers la République démocratique du Congo. Na Pesi Matondo Mingi, une équipe technique qui a Ndekombi à Chako, toujours présent pour réaliser émission Oyo. Na ba moyen Oyo Tozalaka Nango, vous allez remarquer que la qualité des fois, il y a ba émission Nabiso, ils ont ça la défaut pour revendiquer Mingi, mais c'est indépendamment de notre volonté parce que des fois, ba moyen est limité. Nous allons résoudre avec l'État et surtout avec votre aide aussi. Merci Mingi na apôtre Gérard Kabeya, merci na papa Freddy Ngwama depuis Il est beau. Merci na l'homme de la vérité des urnes Jean-Louis Timbalanga. Merci beaucoup na papa Boniface Mpunga, papa Jeff depuis l'Autriche. Merci Mingi na papa Kennedy Mukendi. Je salue également mon vieux Maurice Kikangala. Pe ba enyon so balingaka émission de Debout Congolais, le la maman Bill Bilonda, à qui je salue aussi. Merci Mingi na maman Lisette Mumbendu. Pe ba enyon so Samba Olonga vous porte à cœur, intérêt Oyo Bwa porte à l'émission Oyo. Bende le kweyate surtout. Soutenez l'émission en appelant les numéros en bas de votre écran. Laissez un commentaire, abonnez-vous, likez. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que cette émission aille de l'avant. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.